Eh bien, salut tous, c'est Kadra, on se retrouve pour la partie 4 de Resident Evil Director's Cut. J'espère que ça va. Moi, ça va fraîchement. Franchement, c'est hallucinant là. Ça se rafraîchit. Ça commence, ou je dirais même que ça se rafraîchit à chaque fois. Oh, c'est chiant. Donc voilà, donc on se retrouve pour la suite. À mon avis, ce sera certainement la dernière partie, enfin l'avant-dernière, je pense. Il y a des chances. Alors, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Alors, ça, on va le déposer. Pour le moment, on n'a pas besoin. Et c'est tout. Allez, c'est parti. On va en finir là avec les crottes. Donc bien sûr, hein, ici, hein, ne pas oublier le lance-flamme, hein, de le récupérer déjà à la base. Parce que sinon, on se fait piéger. Très clairement. Et c'est ce qui m'est arrivé justement dans mon speedrun là, avec Chris le dernier. Enfin, c'est lui que j'ai fait en local, mais c'est lui que j'ai partagé sur ma page. Malheureusement, j'avais un petit peu zappé et je l'ai payé cher, hein, puisque il a fallu que je réesquive de nouveau les Hunters et l'Amigale. Et inutile de vous dire que c'est pas une partie de plaisir. Hein. Ah, donc petite pensée à Rudy, hein, qui est un peu allergique aux bouboules. Donc c'est vrai que si un jour t'étais amené à le faire, ce héros, sache que tu n'as pas grand chose à craindre par rapport à ces bouboules. Parce que en fin de compte, elles sont quand même plus faciles à esquiver, je trouve, que dans le remake, hein, quand même. Notamment dans le remake à la première apparition de la bouboule, hein, la toute première qu'on pousse. Je trouve qu'elle est quand même moins dur. Allez, est-ce que ça va l'agripper ou pas? Parce que je sais que c'est Just. Hein. Bon, normalement, ça devrait être bon. Non. Ah! Dommage, dommage, dommage. Ouais, donc, normalement, ça, c'est quand même assez synchro. Moi je le fais comme ça en fin de compte. Mais bon, bien sûr, hein, c'est un échec, hein, vous le pensez bien. Là on récupère bien sûr la clé du labo. La clé lab. Voilà, et on va récupérer bien évidemment le bouquin au passage. Le fameux livre bleu qui contient donc le symbole du loup, et on est bon. Oh, qu'est-ce que je fais, moi? Qu'est-ce que je fais? Donc hein, je tourne cette partie justement pas à la suite, hein. Il y a on va dire que il y a un petit jour et demi de décalage, on va dire. Ouais, parce que bon, comme la plupart des gens, j'ai des choses à faire et le problème c'est que je pouvais pas tourner directos la suite. On va prendre une petite plante ici. Donc le symbole du loup.
l'aigle. Et on est bon. On n'oublie pas bien sûr un petit select ici pour passer la scène cinématique. Select to star, hein, c'est pareil. Ça fonctionne pareil. Donc on verra si on ira jusqu'à la fin dans cette partie. Donc j'ai maté la dernière vidéo du speedrun de Kirito là. Et c'est vrai qu'il était empoisonné, j'ai vu ça. À un moment quand il revient de chez Lisa. C'est vrai qu'il aura pu récupérer la plante bleue, mais bon. Ce qui est bien dans le remake, c'est que. La vie ne descend pas aussi vite que dans le RE, le tout premier hein, bien sûr. Donc c'est vrai que c'est pas trop gênant à la limite. Même si Jill Valentine se tient la hanche. Enfin bon, de toute façon il récupérera normalement une plante bleue. S'il mate cette vidéo à mon avis. Ah putain, dégage. S'il mate cette vidéo, bah, je l'invite à redescendre l'échelle, hein. Ça coûte rien, il y a une plante bleue de toute façon. Hein, de toute façon il y a une plante bleue, tu peux à la limite te soigner, il n'y a pas de souci. Parce que il me semble que. Quand tu vas faire le chemin pour les directions le manoir, en tout cas dans l'arrière manoir, tu n'auras pas de plante bleue, il me semble, sur le chemin, sur ton chemin. Ah shit, ça m'a pas skippé l'image là. Un coup ça skip, un coup ça skip pas l'intro là, c'est pénible ça. Donc bien sûr, ici hein, c'est John, Ada et Moll. On récupérera bien évidemment le magnum hein, pour justement éviter d'être dans le caca. Et puis de toute façon parce que en fait on va affronter The Tyrant. Donc déjà une première fois en bas et une deuxième fois en haut. J'espère, tout ce que j'espère en tout cas c'est ne pas me faille avec les caisses cette fois-ci. Parce que bon, ce qui est pénible, c'est qu'un coup ça passe, un coup ça passe pas. C'est suffit qu'on place mal le 3 marches et c'est mal barré. Véritablement. Allez, lui, on va essayer de le faire tourner. Ça passe. C'était limite hein, quand même. Bon, néanmoins, ça passe. Pas de soucis. Bien sûr ici hein, faut faire gaffe aux zombies. Je voyais plus rien là, tout le monde me gêne, nom de Dieu. Bon, ce qu'on va faire c'est
direct, on va déposer une plante verte ici. Bon, le magnum, on va le prendre. Et on va prendre quoi? Non, bon, le magnum, on va le laisser pour l'instant. Et puis, est-ce que j'ai déposé une plante verte? Oui ou non? Normalement, oui. On va prendre quand même une deuxième plante ici, histoire de se faire un soin à moitié complet, parce que là, ça va pas tarder à se corser. On va tout de suite aller justement dans la salle des chimères. On va déposer au passage le disque émo. Bien évidemment, c'est vrai que j'aurais pu prendre le magnum, je suis un peu idiot, mais bon, c'est vrai que j'aurais pu prendre, hein. Ça va me faire encore retourner une deuxième fois à la salle, hein, mais bon, c'est pas grave. Ouais, les chimères, elles sont un peu galères, hein, franchement. Le problème c'est que dès qu'elle vous chope, elle peut vous endommager assez violemment. Voilà, ça c'est fait. Et là, moi ce que je fais en fait, je passe non pas par la gauche, mais par la droite. Comme ça, j'accède directement à la batterie. C'est limite, hein, vous l'avez vu là, c'est très très limite. Et là tout de suite, hein, bien sûr, on court. Hop hop. Oh la vache. Ça dégage. Oh là 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 là. Oh, c'était limite là. Et ils sont vénères, hein. Ils sont vénères les chimères. Hein. Alors, je vais vite fait check mon inventaire, hein, voir si elles sont. Elles m'ont. Bon, ça va, m'ont pas trop endommagé. Il faut faire gaffe avec elles, là, nom de Dieu. Prendre ce soin et on va récupérer au passage donc le magnum. Et pourquoi pas le lance-roquette, hein, j'aurais dit, mais on va faire mumuse, hein, on va faire mumuse. Est-ce qu'on peut combiner là par contre? Oui. Alors. Bon, l'esprit, on va les laisser là pour l'instant. Voilà. Allez, on se retrouve tout à l'heure vu que c'est une cinématique de toute façon qu'on ne peut pas couper. Je vous dis à toutes. Well, I'm glad you're all right. Don't go out alone. Yes, sir.
Chris, as my subordinate, you have wonderful talent. I would never work for a company like Umbrella. And Wesker, you were formerly with Umbrella. What do you mean? Since when have you been an Umbrella agent? And a traitor to the stars? Now you're wrong! I was formerly with Umbrella, yes. But now I'm prepared to face anything. Even getting rid of you vigilante stars. Now, the worst possible situation has occurred. The failure of the experiment created a virus, a biological weapon, polluting the entire lab. No, the worst happened with the tyrant virus. I lost some of my STARS team members because of it. You killed them with your own hands. Did you kill Enrico? Really? Yeah, like this. Rebecca! Don't move. If you do, I'll kill you. Chris, I have something to show you. Now, walk. Is this? That's right. This is the ultimate life form. Tyrant! Chris? Stop it! Wesker, you're pitiful. This is your savior? You say this failure is your savior? You can make sure yourself. Whether Tyrant is a failure or not. Allez, on va affronter le tyran pour la première fois. Go to hell. Jill will join you too. Alors, il y a moyen de le bloquer derrière Wesker une fois qu'il est dedans. Don't come this way. No. Mais je peux vous dire que c'est pas évident à faire, hein, parce que le problème c'est que des fois ils peuvent vous choper, hein, et si vous chopent, c'est terminé. Donc après c'est bien ça le problème. Et bien sûr, la visée automatique ne fonctionne pas. Putain, mais c'est un truc de ouf là. Alors, normalement, on peut le bloquer là. Ah non. Non. Putain, c'est un truc de ouf. Hein. J'aurais fait le bloquer, mais là, je sais pas ce qu'il m'a fait là, le tyran. Ah oui, normalement c'est ouvert, il me semble. Rebecca, elle est dehors. Like this bulletproof jacket is pretty strong. I see. How about Captain Wesker? Bon, je crois que en fait ça va être la dernière partie, hein, parce que bon, là, on n'est qu'à 20 minutes. Hurry up! I want to get out of here. Donc c'est la dernière partie. Alors du coup. Alors je me tâte à me demander si je la fais au Magnum.
ou au lance-roquette. On va la faire au lance-roquette pour la durée de la vidéo. Pff, vu qu'on l'a, on va pas se prendre la tête. Étant donné Chris. Que il y a encore What, Rebecca? Une certaine quantité de zombies à éliminer. On the tyrant virus exists right here. We should blow this place up. We are already into it over our heads. Rebecca, can you do it? Yes, sir. I'll set off a triggering system for a bomb. Okay. Now we have a chance to escape. Le See you outside the house. C'est exactement le même insigne que Claire Redfield a dans le Code Véro. Bah ouais, c'est pas pour rien qu'ils sont frères et sœurs. Au début, d'ailleurs, je pensais que c'était pour Jill, mais j'avais un léger doute là. C'est bien le blouson de Chris. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre le spray. Alors ici j'ai une plante, ok. Alors normalement j'ai plus rien. Alors ce qui m'embête c'est que je pourrais pas faire justement l'astuce avec les caisses malheureusement. Parce que le problème c'est que le tyran m'a touché malheureusement. Et donc on va être un peu couillé là. On va garder le roquette pour la fin, c'est mieux. Voilà, on est fine. Pourquoi s'en priver si on l'a? Non mais c'est vrai quoi. Ah oui, donc le problème c'est que je pourrais pas faire les caisses parce qu'il me faut un soin. Il me faut au moins deux soins et il faut que je sois fine. Donc malheureusement c'est mort. Voilà. Et puis c'est surtout que si je tombe encore sur un bug comme la dernière fois, ça va être un peu problématique. Hein. Ça risque d'être problématique. Ça risque d'être compromis. Malheureusement. Et on va éviter cela, bien sûr. Voilà. Je suis con parce que j'aurais pu passer de l'autre côté en fin de compte. J'ai un petit trou de mémoire. Non, c'est bon. Alors, vous voyez que... Ah, mais je refais la même boulette. Hein. Qu'on perd quand même du temps à mettre les caisses en place alors que dans le speedrun on se prend pas la tête avec tout ça bien évidemment. Allez, cette fois ça devrait être bon, pas de problème. Et on va aller placer le dernier disque et nous. Enfin l'avant-dernier puisque le troisième on va le récupérer en haut. Voilà. Et là bien sûr le compte à rebours est lancé puisque notre Rebecca
est parti lancer le compte à rebours. Pour le fun. Voilà, nous avons notre troisième disque démo que nous allons aller déposer. Et là, ça va être. Vous allez voir que bah, il y a quand même du beau monde. Alors là je file, mais on a le roquette, il n'y a pas de soucis. On va le laisser tranquillement en train de s'extaser, en train de prendre son pied là, véritablement. Ah, non, non, oui, non. Esquive parfaite, toi je te laisse en vie. Allez, on va sauver notre petite île de montagne. Et on est bon. Voilà donc on aura Jill, sauvé tout le monde. Are you there? Chris? Oh Chris. Jill, you're all right. Yes. Donc bien sûr, Wesker je suppose que c'est la copine de Chris, Jill, à mon avis. Oh, I know. Anyway, let's pas. Get out of here. Allez, pas de temps à perdre. On se barre d'ici. Cet enfer. Thank you.
Allez, d'ores et déjà, je vous dis à très bientôt pour la suite des événements sur ma page. C'était Cadral, merci de m'avoir suivi. Et désolé aussi pour le ending de fin. Je peux pas le couper, donc on sera obligé de se taper tout générique. Alors je m'excuse d'avance. Voilà, sinon j'espère que ce petit let's play façon speedrun un peu vous aura plu. En tout cas, au niveau cheminement. Et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien, c'était Gadriver. Bye bye. Thank you.